Hop là, j'enregistre et petit clap, c'est parti. Donc, salut à tous, c'est Raphaël et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau let's play, cette fois-ci sur Pokémon Let's Go Evoli. Donc, c'est parti, hein, parce que je suis assez excitée de commencer ce petit let's play. Parce que j'avais hâte, j'étais pressée de pouvoir jouer à ce jeu. Donc, je vais commencer. On commence tout de suite. Pour l'instant, je vais lire les dialogues, je pense. Parce que je sais pas trop si vous préférez qu'on lise pas, tout ça. Donc je vais lire à peu près. Français, commencer. Allez, c'est parti. Bien le bonjour. Bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen, mais les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter, tandis que d'autres préfèrent les mener au combat. Pour ma part, j'ai fait de l'étude des Pokémon ma profession. Mais assez parlé de moi, dis-moi un peu plus sur toi. Ah, oui. À qui ressembles-tu? On va devoir choisir son avatar. Les moments chiants et longs parce que ça... Parce que tu sais, à chaque fois, moi je sais pas quoi choisir. Après, je sais pas si on peut changer la coupe de cheveux, la couleur des yeux, tout ça au... au fil du jeu, quoi, comme on faisait dans les anciens Pokémon. Ah, j'hésite. En vrai, j'hésite. Après, si je dois prendre une qui me ressemble mieux, ce serait celle-là. On va faire un truc qui me ressemble, vas-y. Comment t'appelles-tu? Alors, Raphaël. Bon, là, c'est pas le moment le plus intéressant du jeu, je vous l'accorde. Donc, au pire, si on peut pas essayer de... d'accélérer un peu à ce moment-là, parce qu'en plus, écrire mon prénom, c'est un petit peu long. Surtout que j'ai envie de mettre voilà, mon tréma sur le E qui est important. Surtout que là, enfin, depuis qu'ils ont sorti les Pokémon sur la 3DS, je crois, j'arrive enfin à mettre mon Pokémon, mon prénom en entier. Avant, je n'arrivais pas, j'avais pas assez de place. Donc maintenant, je suis très contente de pouvoir mettre mon prénom en entier parce que c'est vrai qu'il est il est long. Donc voilà. Ah, et ce garçon, vous êtes amis et rivaux depuis votre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Et il s'appelle... Ah oui, il faut que je choisisse aussi le prénom de mon rival. Ok, j'ai une petite idée. Il se reconnaîtra sûrement. J'espère que j'ai bien écrit ton prénom, mais je crois que oui, hein. Vous connaîtrez peut-être qui est cette personne plus tard dans mes vidéos YouTube. Kenny. Mais oui, c'est bien Kenny. Oui. Raphaël. Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Oui, allez! Dans un tout nouveau monde de rêves et d'aventures, de Pokémon t'attend. Bonne chance. Oui. C'est une Nintendo Switch, je l'ai branchée à la télé. Merci. C'est une peluche en forme de vol et elle est toute douce. Et vous le touchez. Alors, c'est un mini-mail de Kenny. Salut Raphaël, vu qu'on va bientôt avoir nos propres Pokémon, voilà mes notes sur le code du dresseur. Appuyez sur le bouton A pour parler aux gens. Inclinez le stick à fond pour courir. Appuyez sur le bouton X et sélectionnez sauvegarder pour enregistrer la partie. J'espère que ça te sera utile, Kenny.
Yo, c'est moi. T'es debout, Raphaël? Je monte. Salut. Ah, tu devrais voir ta tête, tu viens des marchés ou quoi? Oh, tu rêvais fort à de petits Pokémon. Flash info, girl, arrête de rêvasser. Secoue-toi le popotin et t'en auras un. Merci. T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Chen pour recevoir nos Pokémon. C'est le grand jour. On va enfin devenir dresseur. Au fait, je sais pas si t'as vu, mais je t'ai envoyé un email hier. Jette un œil avant de partir si tu l'as pas encore lu. Eh bien, je l'ai lu, figure-toi. Bon, je fonce, je t'attends chez le professeur Chen. Maman, allez hop, ma chérie, il est grand temps que tu ailles voir le professeur Chen, si j'ai bien compris, il compte vous donner un Pokémon chacun à Kenny et toi. Par contre, ma mère a l'air d'avoir une peau un peu plus foncée que notre personnage. Comme dans. Comme dans Soleil et Lune, si tu choisis ton personnage avec la peau claire, ta mère a la peau foncée. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi. C'est trop beau! J'élève des Pokémon quand ils seront assez forts, ils pourront me protéger. Bourg-Palette, un monde de couleurs s'ouvre à vous. Oh, c'est trop beau. Le pouvoir de la science est formidable. On peut désormais connecter sa console avec son ordiphone, enfin je veux dire son smartphone, pour échanger des données. Raphaël, t'as pas vu le professeur Chen? Il est pas là. C'est Pokéball, je me demande. Tu crois qu'il y a nos Pokémon dedans? Ah, j'en peux plus d'attendre. Mais moi aussi. C'est Pokéball quand j'ai un Pokémon. Ah ouais, on sait même pas qui il y a. Où est le professeur? J'assiste le professeur Chen, je suis donc son assistant. Merci. Le professeur Chen est l'une des plus grandes autorités en matière de Pokémon. Cela lui vaut l'admiration de beaucoup de dresseurs. Je sais ce que ça. Ouais, d'accord, on a compris. C'est juste pour voir, on va voir sa maison. Salut Raphaël, il y a mon frère qui te cherchait, t'aurais pas vu? Kenny? Il voulait aller au labo du professeur Chen avec toi. Ah, attends, il a une sœur carrément. Et la mère, elle est où? Ah, d'accord, c'est une maison, il n'y a pas de chambre. Ok. Ah, bah du coup il est là. Merci, prof, tu roules. Tiens, Raphaël, quel bon vent t'amène. Ben. Ah oui, je dois vous donner des Pokémon à Kenny et toi. Ah oui, allons à mon labo, ma jeune amie. Alors, un évoli sauvage apparaît. Un évoli, ils sont vraiment rares par ici. Profite donc de cette occasion pour t'entraîner à la capture de Pokémon. Pour l'attraper, lance une Pokéball sur lui et vise bien surtout. Alors, pointez le Joy-Con en direction de la Pokéball, affiché à l'écran. Dans cette posture, sélectionnez l'option de lancer en appuyant sur le bouton A. Ah, non. Bon, ça va. Oh, c'était pas très joli lancé. Vous avez attrapé Evoli. Ouais. Formidable, tu t'en sors très bien pour une première capture. Tu peux ramasser la Pokéball maintenant et donner un surnom à ce joli Evoli. What? Incroyable, il n'était pas en place, je n'ai jamais vu un loustic pareil. Professeur Chen, il n'y avait que deux Pokéballs sur la table, la dernière fois que j'ai regardé, et maintenant?
Il y en a trois, comment ça se fait? C'est normal, Raphaël vient de capturer un petit Évoli. Il est dans la troisième Pokéball. Sérieux, Raphaël a fait ça toute seule? Bah ouais, tu crois quoi? Oh, ça a bougé! Ah, c'est marrant, tiens. C'est trop drôle. Raphaël aurait voulu lui choisir une Pokéball. Saisis-toi de ton destin. Ah, on dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Ah, donc en fait, je suis obligée de choisir Évoli. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces autres Pokéballs. Moi, je voulais savoir. Bah, du coup, je choisis Évoli. Évoli, désormais votre Pokémon. Ouais. Donc il n'est pas banal ce petit Évoli. Il a l'air vraiment très attaché à toi. Tu veux lui donner un surnom? Non, j'aime pas donner des surnoms Pokémon, je sais pas quoi. Non, c'est bon. Je vais pas donner de surnom. Évoli a rejoint votre équipe. Ouais. Donc. Je vais prendre celui-là moi. Donc il a pris un Pikachu. Mais du coup, on ne sait pas quel est ce Pokémon. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ouais, il y a Évoli qui nous suit du coup, trop mignon. Un instant. Maintenant que vous êtes de jeunes dresseurs, j'ai une faveur à vous demander. Et pour cela, je dois vous donner une chose bien utile. Le Pokédex. C'est quoi? C'est un petit bijou que j'ai mis au point moi-même. Je vous présente le Pokédex. Il enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie high-tech. Raphaël, Kenny, voici un pour chacun. Et vous obtenez un Pokédex. Attention, par contre, il ne suffit pas de voir un Pokémon pour automatiquement tout connaître à son sujet. Il faut réussir à l'attraper, hein, évidemment. J'ai toujours rêvé de créer un guide recensant les Pokémon du monde entier. Mais, pour être honnête, je n'ai plus l'âge pour ça. Alors je compte sur vous pour reprendre le flambeau et réaliser mon rêve. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence. Mon Pokédex, ça me parle. Rencontrer un max de Pokémon, c'est exactement ce que je veux. D'ailleurs, je fonce direct. Prends ton temps, Raphaël, vas-y, à ton rythme. De toute façon, quelque chose me dit qu'on se recroisera très vite. Et oui. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit début de Let's Play Pokémon. Donc, si jamais ça vous a plu, enfin, en même façon, je vais continuer. Je vais sûrement peut-être continuer maintenant et sortir la suite un peu plus tard. Histoire de faire des petites vidéos courtes, comme ça vous regardez aussi. Donc, je vais sauvegarder. Ça sera utile de sauvegarder maintenant. Voilà. Et donc, du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour la suite du Let's Play. Surtout, prenez soin de vous, restez vous-même. À bientôt.